remercie Sénégalaises et Sénégalais. Ci sen takouté ci sen taxaway ak itam bisu élection yi taxaway biñu taxaw bari ci ñoom voter la grande coalition walu Sénégal ginaaw lolu itam mi ngi fatali né élection yi ñu dugg dañ ci dugg ak retard bu mag ndax dañu doon waxtaan ak ay membres yeneen organisation politique ay membres société civile rien que mën a taxawal benn coalition bu large bu opposition bi bu mën a jàkkaarloo ak benno bokk yaakaar jàkkaarloo ak Macky Sall ci élection locale yi pour changer li fi nekk. Waaye loolu mujul sotti terewul grande coalition walu Sénégal taxaw taxawaay boo xam ne def ci ànd ak ñenn ñoo xam ne bi ñu demee ba ci biir amaat na yeneen jafe-jafe ba ñooñu génn ci coalition bi. Loolu waral na ay leader yu mag ak seen ay organisation génn coalition bi ba néewal ko doole indi ci ay jafe-jafe ci fonctionnement am indi également retard am par rapport ak départ am dugg ci pré campagne bi ak campagne. Terewul am nañu yaakaar li ñu jàngat ci élection yi ñu génn que danañu gën a farlu kenn ku nekk ñun ñu nekk ci opposition bi gën a joxante loxo gën a ànd ba bu ëllëgee li ñu bëgg réaliser ñun ak société civile bii bañ daañ ko réaliser pour le seul intérêt des Sénégalais et des Sénégalaises. Leneen li ci amaat mooy coalition bi biñ ko mettre en place amoon na itam yeneen jafe-jafe pour démarrer campagne am sur le terrain yoo xam ne xëy na ñu bëri xam nañ ko jaruñu ci dellu si mais liñ ci mën a wax rek mooy leader yu am envergure yooyu nga xam ne ñoom ñoo génn ci élection yi ci sunu campagne génn ci sunu coalition jamono boo xam ne ñi ngi doon def investiture yi jamono boo xam ne engagé woon nañu pratiquement ci pré campagne bi loolu itam indi na jafe-jafe ci sunu résultat yi. Xool nañ gis aussi ci yenn section yi sunu ay électeurs yu bëri sunu ay camarades sunu ay frères sunu ay sœurs ndax dañu nekk ci coalition dañu mujjee topp yeneen bannière nekkuñu ci bannière walu Sénégal alors que seen partie d' origine yi ñu ngi ci biir walu Sénégal. Loolu itam constat nañ ko fu bari bari bari. Leneen li amaat mooy ñàkk déggoo même ñi ñu investiroon bëri woon na xëccoo mais loolu mooy enjeu politique bi moo taxoon bëri na ngaayoo am na ñoo xam ne ñii xëy na seen xol neexul ba li ñu waroon taxawee taxawuñ ko mais terewul ñu doon ay militants. Loolu nag tax na li nga xam ne moom lañu bëggoon am ci ay résultats ca nattoon ko jàppoon ne sunu ay gëstu may nañu ñu am lu toll noonu ci ay collectivité territoriale mujjul entre niñ ko xalaate woon ndax jafe-jafe yu bëri yoon conscient nañ ci bu baax ca it bi ñu vérifié ne bu ñu àndoon ni ñu waroon a àndee ñun suñu biir ànd ak ña ñu àndaloon ca njëlbeen def ak ñoom créé ñoom la grande coalition walu Sénégal def ak ñoom lancement bi ànd ak ñoom ci pré investiture yi bu fekkoon ne toogoon nañu ànd ak ñun résultat yi buñ ko additionné gis nañ ne ay ndam yu mag la ñuy am. Par ailleurs dafa fekk également parti bu mag bi nga xam ne mooy ndayu mbind gi ci biir ñu koy wax parti moteur ci biir coalition bi muy le Parti démocratique sénégalais PDS itam mu nekk ci jamono yoo xam ne dafa tàmbali woon processus de renouvellement di placé ak di jaay carte loolu itam tàmbali woon indi ay xëccoo ba tax na pour nga investiroon kenn ñëpp topp ci dafa doon jafe trop loolu itam coalition bi remarqué na. Ginnaaw loolu bi ñu investiree nag ba nga xam ne processus bi commencé na ñu war a jëm ci déposé liste yi amoon na ay jafe-jafe ci ñenn ñoo xam ne bees lañu woon ci defar ay liste bees lañu woon ci déposé ay liste parce que ren coalition walu Sénégal 90% ñi yoroon liste yi di ko déposé mosuñu ko woon def ñu bees lañu mais ay leader yu bees lañu yoo xam ne constaté nañu bi ñu génnee ci élection yi
Nous avons une expérience. Ba tax na ñu perte lu te ëpp témèr ci ay collecte local yo xamné nañu déposer mo baxul mbir ya mo matul jaarul fa waron jaar lolu téréwul ci gox yoy ñu amon fa mbolo yu takku yo xamné mënon nañ ñu doole waye ñoñu mu duñu bok ci élection yi mu am ci nak yu tanol lu mat fuk ak juroom yu ñu jappone dañ leena togn ndax lañ leen di galankoré ay autorité administrative yo xamné dañu mayewul dara mu melne dañu don ay opposition suñu liste mo waralon ñu dakk leen ñu dem ci yoon ak ñom fuk ak juroom yoyu fuk sowé nañ leen ci ba ñu mujju bok ci élection yi kon ngeen xamné lu upp témèr ak nangam bok ñu ci élection locale yi nga xamné duggon nañ ci ci ñoñu dem mo né ay mbolo yu takku lañu yo xamné buñ ci duggon amana dañu mëna gagner ay collecte locale yu bari ba tax na biñu xayma pour baña ëppal jappagum nañu dal né lu tollu ci 28 ñaar fuk ak juroom ñetti collecte local gagné nañ ko waye itam gagné nañu ben département muy département bu Diourbel bo xolé tay ben bokk yaakar malgré limu ci duggal ci bokk ci limu ci duggal ci khalis limu ci duggal ci corruption limu ci duggal ci achat de conscience téréwul pikine nga xamné suñu jambar yi ñoo fa nek ña fa ne ñepp day candidat jambar lañu wax dëgg yalla ñu gagné ville bi ñu gagné ville bi comme ni ñu gagné ginaaw ray sud ñu ko ko nam bu melni ko tay képp ku bëgg pikine bok ci coalition bi ak képp ko xamné da nga bok ci opposition bi jot na nga taxaw ba benno bokk yaakar baña sacc suñu victoire bi nga xamné ay jambar ñoko xex fa am ko pigi kon lolu itam bokku na ci li nga xamné tay coalition bi jël na engagement fasiyene and ak wa pigi pour xex lool pour ñu dello ñu suñu victoire ndax duñ ko tiaxale suñu bakkan la ci tek grand coalition walu sénégal également mi ngi dello di féliciter ñëpp ñi nga xamné dañu bokkon ci élection yi doon télé bokku ñu suñu coalition rawati na way yew yi nga xamné def nañu ay résultats yu baax ñi ngi leen di féliciter ñu wax né képp ko xamné ëllëgu Sénégal mo la yitté war nga tambalé xalaat ci élection législative yu jëm muy falu député pour nan lañuy def ba am ay large coalition de l'opposition bo xamné mom moy indi majorité à l'Assemblée nationale dès 2022 lolu nak ñun fassiyene nañu dox ci ay djégo and ci képp ko xamné organisation politique nga wala de la société civile bo xamné ñoo bokk unité bobu pour que ñu réaliser cohabitation dès 2022 parce que Macky Sall dafa wara dem en 2024 kon lolu bokku na ci suñu ay objectifs stratégiques yo xamné japp nañ ko dañ ci dox dañ ci wax dañ ci def ay djégo gannaaw lolu ñu jéxal rek ci gëreum ak féliciter chaleureusement suñu maire yi nga xamné jambar lañu xex nañu ko falu ci turu walu do jambar yo xamné amal nañ leen jikal ak ñooñu ci seen xarité ci sen dogu ak militant yi militant yi sympathisant yi ak sénégalais yi sénégalais yi ñom ñoo tax tay ñu sigi malgré ciow li bari japp ne walu dafa effondrer wu walu tax tay la gëna taxaw mi ngi féliciter maire yi élu yi fu ñu mëna nekk ci Sénégal di leen wax ne dañ leen gungé ci sen mission pour ñu am ndam inshallah. La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est la question relative à ce pourquoi, effectivement, malgré l'expérience du PDS en particulier, qui est le moteur de la coalition,
et des autres également, formation, qui ont l'expérience des élections locales, des impairs ont pu être par non responsables, non mandataires. Alors, je prends l'exemple de Salema. Nous avons connu un naufrage collectif. Pourquoi, au moment d'aller déposer la notification de coalition, nos camarades se sont donné rendez-vous à la préfecture de Salema? Pourquoi ils ont fait ça, Dieu seul sait. Alors que c'est le candidat de la commune de Salemata et évidemment le mandataire pour le département de Salemata, c'est eux qui devaient aller à la préfecture, les autres devaient aller dans les sous-préfectures. C'était clairement indiqué dans les circulaires, ça a été également indiqué lors des séances de formation, mais ils se sont tous rencontrés là-bas, ils ont dîné ensemble et ils sont allés déposer à la préfecture. Ce qui fait que toutes nos listes dans les autres communes n'ont pas pu être enregistrées. Il y a également des cas qui sont aussi incompréhensibles, où certains de nos mandataires, candidats, ont estimé que la parité c'était avoir plus de femmes que d'hommes, ou qu'il n'était pas forcément nécessaire de respecter une femme, un homme, une femme. Nous avons connu des cas comme ça, qui sont un peu curieux, mais qu'il faut quand même observer, et ce sont des raisons pour lesquelles, effectivement, nous avons donc perdu ces listes. Il y en a qui ont même dit qu'ils ont mis plus de femmes que d'hommes. Alors, par contre, il y a des fois, comme par exemple à Kaou, on a eu une erreur matérielle où on a fait deux hommes. Et bon, le préfet était extrêmement sévère et le juge a corrigé et on a pu récupérer la liste. Donc, il y a eu, à mon avis, des cas comme ça, mais aussi, c'est ce qui est dit dans le document, quand vous faites des investitures qui sont difficiles, il faut le reconnaître, nous avons passé des périodes extrêmement difficiles, on l'a expliqué, les raisons pour lesquelles le renouvellement des structures du PDS n'est pas terminé, les discussions dans une coalition c'est difficile, et ce qui fait que des fois le dénouement s'est fait très tardivement, et c'est dans la précipitation finalement que les uns et les autres déposent leur dossier. Il y en a un par exemple qui a oublié d'aller apporter son mandat, sa quittance. Sa quittance de caution. Et le préfet ou la préfète qui était là-bas a refusé le dossier alors qu'il aurait pu aller chercher ça. Donc voilà un peu un certain nombre de cas comme ça que nous avons observés et qui sont des cas réels et qui ont évidemment empêché que nous puissions avoir ces listes-là. Alors, la question est posée de savoir. Notre positionnement, ce n'est pas une élection nationale, hein, mais vous pouvez faire l'exercice, si vous voulez, de classer sous forme de suffrage les uns par rapport aux autres. La grande coalition Wallou-Sénégal se situe en troisième position, derrière Bernard-Bourg-Yakar, derrière Yéwi. Ça, c'est un fait. Non seulement en termes de suffrage exprimé, mais sans doute également en termes de collectivité locale. Nous l'avons dit, c'est en deçà de nos espérances au départ, mais au fil du temps, évidemment, ces constats-là ont été faits. Maintenant, ce qui est dit, si nous restons fidèles à nos options depuis le départ, c'est bien avant les élections locales, nous avions souhaité avoir un large rassemblement des forces à la fois politiques et citoyennes. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de renoncer à cela. Nous restons toujours persuadés que c'est cela qui va permettre effectivement de bouter dehors le régime de Macky Sall. C'est le sens de ce que nous disons aujourd'hui. Il est toujours important
de pouvoir rassembler le maximum de forces, à la fois politiques et citoyennes. Yéwi, si possible. Mais il y a également d'autres forces. Par exemple, nous avons, il faut le dire, travaillé avec Gomsapop dans de bonnes conditions, puisque nos spécimens étaient extrêmement proches et nous avons pu discuter et à l'amiable trouver une solution pour pouvoir séparer autant que faire se peut nos spécimens. Donc nous avions de bons rapports avec Gomsapop. Il y a également ceux qui étaient avec nous et qui sont partis, comme Bok Gis Gis, comme Agi, etc. Donc, c'est tout cela, à notre avis, qu'il faut essayer de rassembler, parce que la perspective d'avoir une cohabitation en juillet 2022, elle est sur la table. Elle est sur la table. Et il est de notre devoir politique d'y travailler. D'y travailler. Et sous ce rapport-là, je réponds également à une autre question. Tout ce qu'on a observé aujourd'hui comme manquement, comme difficulté, comme probablement des choses qu'on aurait pu mieux faire, tout cela fera l'objet évidemment d'une évaluation de la grande coalition Wallou-Sénégal. En toute sincérité et en toute humilité, nous ferons ce travail-là au sein de chaque composante de la grande coalition Wallou-Sénégal, mais également ensemble dans la grande coalition Wallou-Sénégal, pour, comme on l'a dit, dans notre accord de coalition, aller de l'avant pour les élections législatives. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. Si vous me permettez, je vais répondre à, je vais donner la parole à Mayro. Évidemment, le PDS, le leader national du PDS, c'est le président Watt. Son candidat, c'est Karim Watt. Il est clair, si les deux étaient là, c'est un très grand plus de la grande coalition Wallou-Sénégal. Si l'un des deux était là, ce serait également un très grand plus pour la grande coalition. Votre sanction,
parce que résultat, il y a 8 mots qui sont en train de se faire. Nous avons une grande coalition pour le Sénégal. Nous avons une coalition. Il y a 8 mots qui sont en coalition qui sont stable. Fait que nous, déjà, nous avons dit que qui a permis de le sanctionner de nos populations. Quand l'olu, warna don itam lo xamné, warna ko sétat ci suñu bi, ci waxtan yi nga xamné dañ ko waxtan ci biir yom coalition, ci waxtan yi nga xamné dañ ko waxtan ci biir parti bu mënt bok ci grand coalition. Waay dal opposition Sénégal pour faire que nous devons donner des élections législatives, des élections Raougadou, ni élections locales données aux élections Raougadou. Moi, je sais, il y a une coalition d'opposition pour nous faire un acte. Et pour nous dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Le coordinateur Mamadou Diallo et les prédécesseurs ont tout dit. L'essentiel a été dit. On fera, Inch'Allah, dans les prochains jours, une évaluation. Et personnellement, à mon nom, Nous sommes tous les militants et les sympathisants de la grande coalition pour le Sénégal. Nous avons vu les résultats de la coalition pour le Sénégal. Nous avons vraiment fait ce qu'il fallait. Nous sommes tous les Sénégalais et nous avons les législatives qui sont venus. Nous avons vu la victoire pour le Sénégal.